Bonjour les balances et bienvenue pour votre tirage de ce mois-ci. Nous allons utiliser pour ce mois le Tanis le Normand. Nous compléterons le tirage avec le Lily White qui est ici et également une carte de l'Oracle des Reflets qui est la seconde édition que j'ai donc ici. Ce sont des jeux que j'ai créés que vous pouvez retrouver donc sur mon site. Vous avez la référence en barre d'infos. Nous tirons également une carte avec le petit oracle des animaux de pouvoir pour voir quel est l'animal qui va vous accompagner tout au long du mois, qui va être présent pour vous, votre animal un petit peu totem de ce mois-ci. Alors, je vous invite également à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire pour compléter ce tirage. Et également à regarder les petites vidéos où je vous fais un tirage tous les matins. Et ce tirage peut vous aider aussi à compléter les tirages que l'on va faire pour la semaine. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à appuyer sur la petite cloche pour être tenu informé de tous ces tirages que je vous propose hein, tous les jours. Voilà, on commence tout de suite avec le Tanis. Donc on va tirer trois cartes par semaine. Donc pour votre première semaine... Pour votre deuxième semaine, pour votre troisième semaine et enfin pour votre quatrième semaine. Voilà. Alors, déjà de ce que je peux voir de ce tirage, c'est qu'il y a beaucoup d'énergie de mouvement, beaucoup de mouvement hein, pour vous pour le mois prochain, enfin le mois qui arrive. Il va y avoir beaucoup d'activités en fait. On va voir déjà par rapport à la première semaine que vous allez recevoir des nouvelles, vous allez recevoir une lettre, un message, un mail, un SMS. En tout cas pour votre première semaine, vous allez recevoir des nouvelles, des messages, un mail, un SMS, quelque chose qui va soulever un ancien conflit un petit peu et qui va un petit peu vous perturber pour cette première semaine. Vous n'allez pas savoir comment trop prendre cette information, comment trop prendre cette nouvelle. Ça va un petit peu soulever des conflits un petit peu autour de vous, mais vous allez voir que ça va très très rapidement se tasser. Puisque dès le début de la deuxième semaine, vous allez recevoir encore une fois des nouvelles, de quelque chose de beaucoup plus rapide. Donc peut-être des échanges justement par SMS par exemple, ou par mail, ou une communication téléphonique. Mais en tout cas, il va y avoir un message rapide qui va venir un petit peu pour apaiser un petit peu toutes ces tensions. Donc on a beaucoup, hein, beaucoup de partage ici, de communication avec les autres qui vont se faire de façon écrite ou de façon plutôt écrite hein, d'ailleurs, avec la carte de la lettre, et des choses qui vont se faire de façon rapide et récurrente. Donc c'est pour ça que je pense à des échanges de mails, je pense à des échanges téléphoniques, à des échanges moins de lettres, parce que ça prend quand même plus de temps d'écrire une lettre et de l'envoyer. Mais en tout cas, il y a des échanges qui vont se faire. Et qui vont vous engendrer un peut-être un stress, un conflit autour de vous qui va finalement eh bien, se résorber de façon assez rapide hein, finalement. Donc voilà, respirez un bon coup, c'est pas agréable, ça va peut-être pas être agréable la première semaine, et puis au final vous allez pouvoir vraiment laisser passer, laisser tasser un peu les choses. Parce que certains messages à la fin vont vraiment vous être certains échanges, plutôt plus que des messages, certains échanges vont rapidement eh bien, dénouer ce conflit qui était né. Il est possible aussi que ce soit des anciennes querelles, des choses un petit peu cachées, qui soient révélées, remises à la surface. De toute façon, on voit également qu'il y a une évolution à partir de la deuxième et troisième semaine. Où vous allez un petit peu plus vous tourner non plus vers ce conflit qui vient de naître, vous allez vraiment laisser passer les choses, mais vous allez plutôt vous tourner vers un déplacement. Un déplacement, peut-être un déplacement professionnel, puisqu'on voit qu'on a la carte des poissons qui arrive en dessous de celle des bateaux. Mais en tout cas, dans votre réseau, il va y avoir besoin de faire un déplacement, il va y avoir un mouvement qui va se créer et que vous allez devoir réaliser. Sans doute un déplacement qui va vous obliger hein, d'ailleurs à quitter un petit peu votre maison, votre foyer.
peut-être devoir aller travailler également à l'extérieur ou un déplacement vraiment plus grand, ou bien carrément vous allez vous pencher sur vos prochaines vacances et pouvoir prendre un petit peu le large, prendre un petit peu de recul par rapport à tout ça. Donc une grande envie, hein, une grande envie en tout cas de prendre le large, de prendre du recul, et qui va plus se profiler aux alentours du milieu du mois, pour le coup pour vous. On voit d'ailleurs hein, qu'on vous invite à faire confiance à votre réseau, que vous allez mettre en place des choses, et que ça va se mettre en place de façon assez naturelle, assez facile. Si vous organisez un voyage, rien ne va vraiment bloquer, tout va se profiler de façon fluide. Voilà, vous pouvez également en parler autour de vous, en parler avec votre réseau autour de vous, et on va vous donner des bons conseils pour organiser tout ça et pour voilà, pour que tout se passe au mieux. Donc c'est super, j'ai envie de vous dire, c'est positif. Et donc on a ici pour la troisième semaine, en même temps le foyer, en même temps la maison, en même temps pardon, le foyer et la maison, en même temps le travail. Donc il est possible que pour cette dernière semaine, eh bien soit vos vacances soient finies, vous allez reprendre le travail, soit que vous allez pouvoir travailler un petit peu à la maison aussi. En tout cas, vous allez, ou alors vous allez vous sentir bien à votre travail, vous allez vous sentir comme un poisson dans l'eau, hein, j'ai envie de vous dire, voilà. Il va y avoir aussi peut-être beaucoup de travail à réaliser, mais tout va se faire de façon assez fluide, hein, donc il n'y a pas de souci par rapport à ça. Même si vous sentez que vous avez une masse un petit peu plus conséquente de travail à effectuer, tout va se profiler, tout va se faire de façon fluide, donc pas d'inquiétude à avoir là-dessus. Vous pouvez même réaliser ça chez vous si vous avez la chance et l'opportunité d'être en télétravail, ça ne vous posera aucun problème par rapport à cette surcharge peut-être de travail éventuelle. Et au déplacement aussi que vous allez peut-être faire. Voilà, en tout cas, il va y avoir également pour la dernière semaine un contrat qui va se nouer, ou en tout cas une alliance qui va se faire avec quelqu'un. Vous allez peut-être soit dans l'axe... J'ai quand même l'impression que ça va se dérouler un peu dans l'axe de votre travail. Là, on est plus dans des relations au début, des conflits personnels, plutôt ce début de mois, on va s'attacher à plutôt des choses personnelles, de notre vie privée, et on va un petit peu plus se tourner vers le côté professionnel pour cette fin de mois. C'est vraiment l'impression que j'en ai. Et ici, des engagements qui vont se prendre avec quelqu'un, un partenaire qui va être profitable pour vous, ou en tout cas on va vous proposer des opportunités de partenariat, on va vous donner la possibilité de travailler avec d'autres personnes, ou alors d'avoir un contrat qui va se faire, et il y a un choix à prendre. C'est-à-dire que ça ne va pas être quelque chose d'imposé, c'est-à-dire que vous allez pouvoir choisir vous-même si vous souhaitez ou pas ce contrat. Et on vous invite à bien réfléchir aux tenants et aux aboutissants de ce contrat, à bien lire les petites lignes surtout, hein. Là attention, parce que on a quand même la carte des montagnes qui montre que ce contrat, d'ailleurs vous voyez, on a un petit chemin entre les deux cartes. C'est absolument pas fait exprès, je le remarque que maintenant, mais on a vraiment un chemin qui mène de l'une à l'autre de ces deux cartes, donc c'est intéressant. Mais en tout cas, ce contrat, il vous invite à... Voilà, il y a des contraintes qui sont liées à ce contrat, qui pourraient vous embêter. Et là on vous invite vraiment à réfléchir un petit peu à tout ça, si vous êtes prêt à faire certaines concessions ou pas, mais à bien analyser ce contrat pour voir s'il y a des choses que vous pourriez négocier, sachant qu'avec la carte du choix, il y a une négociation qui peut être possible, hein, bien sûr. Donc n'hésitez pas éventuellement à le faire, à négocier un petit peu, peut-être d'ailleurs à négocier le fait de pouvoir un petit peu travailler par chez vous, ou avoir un espace dédié à votre travail, voilà, pouvoir aménager votre bureau, ou je ne sais pas, quelque chose qui vous permettrait d'être un petit, de vous sentir un petit peu mieux, ou en plus cocooning dans votre travail. Mais voilà, vous regardez bien le contrat qui vous est proposé, vous regardez bien ce qui vous est proposé, l'engagement qui vous est proposé, de bien être conscient qu'il y aura des aspects positifs et des aspects négatifs, et à être bien sûr, si vous souhaitez les négocier, de négocier certaines choses, et être bien sûr de pouvoir assumer des fois le côté un petit peu plus négatif. Voilà, donc ça c'est important pour vous.
Au niveau de l'oracle des reflets, nous avons la carte de la santé. Alors pour ce mois-ci, on vous invite également à vous pencher sur votre santé, à vous remettre un petit peu dans qu'est-ce qui ferait du bien à votre corps, qu'est-ce qui vous ferait du bien, revenir aussi à ce que votre corps demande. Et votre esprit aussi pour être zen, hein, tout simplement, pour peut-être travailler sur l'aromathérapie. On vous invite ici avec la santé à travailler peut-être sur des choses de comment dire des thérapies douces. Ça peut être faire de la méditation, ça peut être l'aromathérapie, ça peut être le yoga, le massage. Bref, on vous invite quand même à ne pas oublier votre santé un petit peu, hein, le mois prochain, et à vous focaliser un petit peu dessus et puis mettre en place des choses dans votre quotidien qui vous feraient du bien à vous, qui feraient du bien à votre corps également. Avec le Lily White, on a... Ah, génial, on a la carte de l'As de Denier. Eh bien, ça fait un parallèle, hein, un petit peu avec cette dernière semaine, ces deux dernières semaines d'ailleurs, parce que ici on est dans l'aspect financier, on est dans l'aspect travail, on est dans l'aspect matériel, et on a des nouveaux projets qui voient le jour, on a des nouvelles opportunités au niveau du travail qui voient le jour, donc c'est pour ça bien sûr que je pense à ça. Hein. Et tout est beau, tout est flambant neuf, tout est... voilà, ce sont vraiment des opportunités qui vont vous booster, qui vont vous donner envie justement de concrétiser certaines de vos idées, certains de vos projets. Donc allez-y, hein, vraiment, c'est une carte qui vous est très favorable pour la réalisation de nouveaux projets, pour se lancer dans de nouveaux projets également, et matérialiser certains envies, certains projets. Ça pourrait être des projets de voyage aussi, hein, pourquoi pas. Voilà. On va tirer maintenant une carte du petit oracle des animaux de pouvoir pour voir quel est l'animal qui va vous accompagner durant tout ce mois, les balances, et on va choisir le faucon. Les synchronicités sont des messages de guidance de l'univers. J'y suis attentif et je m'en sers pour diriger ma vie. Donc on voit que pour le mois qui va venir, les balances, vous allez être entourés par beaucoup de synchronicités. Si vous avez besoin d'être guidé, n'hésitez pas à demander à l'univers justement de mettre sur votre route et bien des messages pour vous guider dans votre vie, pour vous orienter au mieux. Ça pourrait être aussi profitable pour les moments où vous devez faire des choix ou les difficultés que vous pourriez rencontrer en haut pour vous aider justement à avoir la meilleure attitude possible face à des situations qui pourraient être conflictuelles. Donc travaillez avec le faucon, travaillez avec les synchronicités et voilà, et suivez les messages qui vous sont apportés pour le mois prochain. Voilà les balances, j'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé. N'hésitez pas donc à la compléter avec mes petits tirages du matin et également avec votre ascendant et votre signe lunaire, donc vous pouvez aller voir pour compléter. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche, d'activer le petit pouce et moi je vous retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Prenez soin de vous, bye bye.